Et que coucou à tous, on se retrouve sur l'aventure modée. Donc il n'y a pas eu d'épisode depuis octobre aussi sur cette série. Donc c'est fou, le mois d'octobre ça a été un moment sur la chaîne où Hello est parti un peu en freestyle, j'en sais rien. Enfin je pense que j'ai pris des vacances, donc c'était pas ça, bon bref. Là n'est pas la question de l'épisode. Donc ce qu'il faut savoir c'est que si vous débarquez sur la série, pas de panique. On n'a rien fait pour le moment de super OP sur la série et tout. On a juste abordé un peu le modpack. Donc c'est un modpack où il y a quelques trucs techniques. Mais c'est surtout le but c'est de faire un ranch dans Minecraft. Donc j'ai rajouté beaucoup de mods avec des animaux de sol. J'ai rajouté des sons d'ambiance etc. Et le premier mode technique que l'on a vu c'est tout simplement Tinkers. Donc parce qu'on était dans le laser. Donc on a pu aborder Tinkers tranquillement. Donc là dans cet épisode, tout simplement si j'ouvre cette map, vous voyez que là c'est là où on se situe. Là il y a un donjon que j'ai trouvé, donc on va faire ce donjon dans cet épisode justement. Et si on se dirige vers le sud, ici il y a le biome que je voulais pour le ranch. Donc on va aller s'installer là-bas. Donc ce qu'on va faire dans cet épisode c'est aussi déboiser un peu la zone. Donc il va y avoir un petit super las pour le déboisage de tout ça, va-t-on dire. Et ici il y a un donjon mais qui est beaucoup plus grand qu'on fera bien plus tard les amis. Donc, petite ellipse, c'est le temps que j'aille au donjon et on va les fighter. C'est parti. Donc c'est là-bas mon waypoint que j'ai mis. Regardez-moi les petits cochons, on va avoir plein de variétés différentes et tout. Enfin, ça va être trop cool pour faire le ranch en vrai. Regardez-moi ça, encore des autres et tout. Enfin, ah, je vais kiffer faire ce ranch, les amis, ça va être juste top. Donc, allez, on va aller voir un peu ce qui se trame avec ce petit truc. Donc là il y a une pierre tombale, ok. Et là si je clique sur ça, justement tout ça il va falloir qu'on récupère. Voilà, on a une orange. Et tout ça il va falloir qu'on récupère justement. Qu'on ait des pousses de chaque type d'arbres fruitiers et tout pour se faire un bosquet et tout. Enfin ça va être juste terrible. Hop, ah ça c'est un buff je pense. Coucou toi! Ouais. Salut mec, ça va? Alors là c'est quoi cette tour? Attendez. Oup là! Boum boum! Entrez, tu es où? Entrez! Ah, il y en a un autre là. Entrez! Ah, c'est là. Ah ouais, donc ça c'est un grand donjon comme il y a à côté du ranch, donc on va pas le faire là. Parce que ça, ça va nous prendre un temps monstrueux à faire ce truc. Et il y en a un juste à côté du ranch, donc. On va pas s'enquiquiner à faire celui-ci parce qu'on va partir bientôt de cette zone. Donc, comment on rentre là-dedans? Salut! Y'a des poteaux là-dedans? Bonjour! En vrai, j'aurais peut-être dû me refaire de torche. Wop! C'est cool. Oula! Les gens! Bon bah les gens, j'y retourne. Alors, on se retrouve, donc c'est parti. Donc je me suis fait une épée en émeraude qui me fait 9 d'attaque. Je me suis pris deux pommes d'or et je me suis pris des côtelettes. Et je me suis refait un bouclier, donc ça y est, on va repartir là-bas. Pourquoi ils sont plus là? Ok. Je pensais qu'ils allaient toujours être là et qu'ils allaient m'attaquer. Il n'y a personne. On va y aller tranquille. Torche. Attendez. Alors vous voyez ça, c'est typiquement les trucs où il peut y avoir des coffres piégés ou je sais pas quoi. Non, c'est pas un coffre piégé. Hello, elle est trop parano. Je suis beaucoup trop parano, les gens. Du coup, on a une pierre tombale. Bah, c'est ma première mort, du coup, d'ailleurs. GG. Hein. Pourquoi je vois clair ici alors que. Du coup, j'ai pris ma pomme dorée pour rien. Thank you.
récupérer ça. Je vais poser la torche ici pour savoir quoi il y a de par là. Et c'est quoi ça? Des guettes. Ça fait quoi ces trucs? Ah, un spawner! Wop, hop, 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 hello, 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 elle fait le fluff, hello, hello, ne sait plus jouer à MC. Ah! Alors par contre, je vous avoue, niveau du son, je ne sais pas si ça va donner. Bon, bah on y retourne, hein. Alors, on se retrouve, donc je suis au donjon, donc en vrai, je joue comme une merde. Ouais, on va dire les choses comme ça. Parce que, en réalité, j'aurais même pas dû me faire dégommer, puisque j'aurais dû poser des torches, tout simplement. Et non, au lieu de poser des torches, moi, bah non, je fais n'importe quoi. Alors, les compères là qui m'ont tué là. Alors qu'il suffit que je pose des torches en réalité. Pour être protégé. On n'entend plus de greu-greu. Quoi que si. Alors attendez, on recule, on se met ça. Ouais, du coup, c'est vrai que j'avais des bottes chez moi. Pourquoi j'ai pas de. Tac. Alors j'espère que je vais finir par être un peu plus intelligente. Parce que là, on peut pas dire que je sois très glorieuse. Alors par contre, je vais récupérer ma pioche. Ça. Ouais, tout ça c'est les trucs spécifiques au mode. Je m'en balance complet tout ça. Ça, je m'en fous. Ça par contre. Ouais, ça pourrait nous servir par contre, tout ce qui est bout de générateur, tout ça. Hop, voilà. Donc ça, on récupère. Alors, continuons. Ok. Ok. Je casse tout simplement ça parce que j'ai pas de ficelle, je pense, dans les coffres. Ça me dit rien. Ok, donc là on monte, il n'y a rien. Donc pourquoi mettre des échelles? Je ne sais pas. D'accord. 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 Vous avez vu ce qui nous attend en bas? Vraiment, je suis archi nulle là. Il y a un problème, non? Je suis une calamité. Yeah. Salut les mecs. Alors ce qu'on va faire, c'est ça. Hop. On va se débarrasser des cousins qui sont en bas. Hein. Est-ce que c'est bon? On a l'air. Ok. Deux araignées. We'll be right back.
Ah ouais, j'ai récupéré tous les bouquins, donc c'est cool, on a pas mal de trucs pour faire des choses. Donc là, on va aller par là, tac. Qu'est-ce qui se passe par là? Ok, tac. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Salut! Salut les topines! Comment ça va? Enchanté, enchanté de vous connaître. Ok, donc on retombe là où on était arrivé. Donc, à mon avis, on va avoir fait assez rapidement le tour. Même si on a vu qu'il y avait plusieurs étages, franchement, je trouve pas qu'il y ait grand-chose d'exceptionnel à voir là-dedans. Je pense pas qu'on va s'enquiquiner plus que ça à s'amuser à tous les étages inférieurs. Je pense que déjà, avoir tout simplement des trucs de base, c'est déjà sympa. Je sais pas si j'ai déjà de la pastèque dans mes coffres. Je préfère abandonner ça vu que j'ai déjà les bouquins. J'ai pas besoin de convertir du truc du truc de lapin, de la peau de lapin en cuir. J'en ai pas besoin, très clairement. Tac, tac, tac. Là, tac. Ouais, on a fait le tour, quoi. On a fait le tour, je crois. Ah non, par là, on n'y a pas été. Alors, attendez, on y va. Encore des bibliothèques, mais... Mais c'est trop pété, ce truc! Coffre normal. En vrai, les œufs, on va pouvoir faire une petite usine à poulet et tout assez vite. Je dis pas, non. Alors, bah du coup, moi, je vais devoir refaire une hélice pour récupérer les bouquins. Parce que les bouquins, on crache jamais dessus, je pense. Ça là-dedans, ça là-dedans. Également ça, du coup. Ouais. Alors, une autre ellipse. Voili, voilou, j'ai ramassé tout ça. Donc c'est parti. On va aller voir ce qui se trame d'autre dans les entrailles de tout ça. Donc là, c'est droite. Donc c'est pas là qu'il faut aller. Salut. Salut, hello. Tu fais n'importe quoi. Tu tournes sur toi-même. Oula, c'est un peu bizarre. Bon. Tac, touc, touc, y a rien d'autre. On fait demi-tour. On fait demi-tour, on fait demi-tour, on fait demi-tour. Il n'y a pas d'autre trou-trousse. Donc on va par là. Y a rien ici. Y a rien ici également. Tac, demi-tour, demi-tour. Oh. Je me souviens pas quand il était descendu. Ouais, je confirme, on n'était pas passé ici. Hein. Je confirme l'histoire. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu? D'accord, c'est ici. D'accord, donc c'était ici qu'il fallait que j'aille. Ok. Bon, ouais, on a fait le tour. Par contre, du coup, les deux bestiaux qui étaient là qui m'ont mis mal, ils ont disparu, quoi. Bon, bref, tant pis, hein, trêve de bavardage, va-t-on dire. Donc c'est fait, je considère que c'est fait. Alors, je vais retourner à la maison, je vais ranger tout ça dans mes coffres et ensuite on va crafter nos petites bottes de slime, vous allez voir. Ça va être trop bien, donc à tout de suite! Et on est à la maison! Enfin, maison temporaire, hein. Donc, voilà, la dernière fois ou la fois d'avant, je ne sais plus, on avait été chercher de quoi avoir du slime et tout. Et avec le slime, on va pouvoir se faire des belles bobottes. Alors, les petites bobottes des familles, c'est. Mais non, c'est pas ça mes bobottes. Ah, elles sont là mes bobottes, regardez. Donc, il faut deux blocs comme ça et deux petites slimes. Donc, toc, on va décrafter ça pour avoir du slime. Et tadam, on a des jolies bobottes. Donc ça. Et il faut qu'on se fasse un petit slime sling. Je sais pas si je dis correctement. Donc vous voyez, il me faut deux ficelles. D'où l'intérêt d'avoir pris des ficelles dans le petit donjon. Alors, tac. On fait ça. Et je crois qu'il va me refaire du slime en plus. On va aller casser un arbre. Tac, tac, tac. Et on va cliquer là. On va cliquer sur ça. Tac. Et touc. Nous voilà avec ça. Et vous allez voir, ça va être juste trop bien. Attention, vous êtes prêts?
Je vise le sol et ça m'envoie voler. Ah bon, bah, ça va, ça m'aide pas trop à sortir par contre. Ah non, mais je veux sortir. Aidez-moi à sortir. Non, je veux sortir. Ouais. Bon. Ah, vous voyez, je suis pas la spécialiste, mais ce truc, quand tu te balades, c'est trop, trop bien. Bon, là, vous voyez, c'est boisé, donc ça va pas être terrible, mais dans les zones où c'est assez grand, où il y a des espaces assez grands, en vrai, c'est hyper pratique. Bon, vous voyez, là, voilà, comme c'est boisé, j'y arrive pas. Mais globalement, ça va m'aider à me déplacer beaucoup plus rapidement, et ça, c'est bien. Donc, c'était un de mes objectifs pour cet épisode, parce que c'est trop bien. Et vous voyez, il va falloir qu'on déplace tout ça. Donc, on va essayer de voir les backpacks qui sont dans le modpack, parce que je me souviens plus. Backpack. Donc, ok, donc c'est ça. Et après, il faut que je prenne de l'iron et tout. Donc, un coffre, de la laine, j'en ai assez. Du cuir, apparemment, je vais pouvoir utiliser celui-là, donc ça devrait le faire. Un coffre, est-ce que j'ai un coffre quelque part? Non. Et on a du bois. Ouais, bon, j'ai fait des bêtises. C'est pas grave. Hop, un petit coffre. Hop, on va faire des sticks avec ça. Donc, si je fais bien, je crois que c'était ça. Alors, si je me foire, c'est que c'était l'inverse. Et c'était l'inverse. Hop. Alors, on clique. Donc, pour avoir l'amélioration, il faut passer par de l'iron. Donc, à chaque fois, il faut un coffre. Ok, donc on va crafter 3 coffres au total. Parce que je vais essayer de le mettre au max, justement. Pour qu'on soit bien aise. Qu'on ait le super backpack pour pouvoir déplacer nos affaires. Donc, de l'iron, du coup, il va m'en falloir 7. Ah, je vais même pas avoir assez de... je vais pas avoir assez de diamants, donc il va falloir que j'aille miner un coup. Tac, donc on fait ça, on fait ça. Le coffre. Alors, quel est l'espace? Ouais, ok. En vrai, tac, 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 on a des ficelles. Encore 3. Tac, 3. On va refaire un deuxième, un basique. Parce que j'ai pas assez de diamants pour l'instant. Ok, donc ça fait ça. Donc la différence entre celui-là. Ouais, donc en fait il y a 2 en plus. Donc en fait, si je les fais passer en or, j'en aurai 2 de plus. Alors on va mettre l'or dans la Tinkers. Wouhou! Ouais, là. Tac. Hop, ça tu pars en cuisson, toi. Je vais arrêter et je vais en laisser qu'un en auto. Comme il n'y a pas beaucoup de quantité, ça sert à rien de faire un truc énorme. Hop, 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 hop. Alors, du coup, on va passer l'autre backpack au fer. Donc, il faut qu'on retire un bloc. Tac. Voilà, donc là on va les faire passer niveau or et diamant. Bah pour l'instant j'en ai pas assez, donc on attendra. Ça je range ici, ça je range en dessous. Et on sera déjà pas mal en vrai. Donc je vais les upgrade. Ah par contre si on les upgrade, est-ce qu'on perd ce qu'il y a dedans? Admettons, je vais mettre un bout de terre là-dedans, voir. Salut! Hop, 10 lingots. Je sais plus combien j'en avais dans les coffres, donc je sais pas si je vais pouvoir upgrade les deux ou pas. Et non! Eh bah, les gens, vous savez quoi? Je vais me faire une petite session de minage. Histoire de. Attends. Ah, d'accord, on peut mettre des caisses en bois. Ok, bon, allez, écoute, hein, tu me proposes pas le craft qu'il faut. Ah, mais c'est parce que j'ai plus de coffre. Je me désespère toute seule, les gens. Je me désespère toute seule. Bon, vous savez quoi? Je vais aller miner, je vais pas faire ma feignasse. Et, attendez, je upgrade pas le bon sac. C'est celui-là où il y a un bout de terre dedans, voir s'il garde... Et yes, il garde ce qu'il a dedans.
Donc, vous voyez là, en gros, ça me fait un chest. Avec le truc en or. Donc en vrai, en diamant, ça va peut-être me rajouter encore 2 lignes. Si c'est comme on a eu avant, ça devrait rajouter 2 lignes. Donc je vais faire une ellipse le temps d'aller miner un petit peu d'or et d'avoir le diamant qu'il me faut pour faire upgrade les packs. Comme ça ensuite on fout tout là-dedans et on va à notre nouveau chez nous. C'est parti. Et oye oye, Minecraft, Minecraft chaîne. Donc on se retrouve. Donc je vous explique, j'ai fait une coupure de journée histoire de faire le montage et tout. Et au final avec tout ce que j'ai déjà enregistré avec le petit donjon des familles, nos petites slime bottes et les backpacks que j'ai dans mon inventaire. Donc au total j'ai toutes mes affaires dans 3 backpacks, donc j'ai miné un peu vous voyez. Donc voilà, on voit que j'ai bien miné quand même hein, parce que j'ai pas mal de cobble. Donc voilà, là c'est tous les minerais qu'on peut avoir, donc c'est pas mal. Il nous reste même plus de diamants du coup parce que j'ai tout utilisé pour les backpacks, donc on a encore un peu de feu d'or pardon. On a pas mal de fer à faire cuire. Et là il y a tout ce qui concerne la Tinkers, là tous les bouquins que j'ai récupérés dans le donjon, donc c'est vraiment pas mal. Là tout ce qui est slime et en vrai on est déjà à 20 minutes d'épisode dépassé, donc je vais pas faire plus en gros. Parce que sinon vous allez avoir un épisode qui dure trop longtemps et ce n'est pas le but. Je préfère vous faire des épisodes de 20 minutes et c'est plus cool à regarder je pense. Mais voilà, il va falloir aller au ranch. Oh il y a un fantôme. Vous avez vu, il y a un truc là. Eh viens là. Viens. Putain, bon, elle a tarté vite. Il nous drop de la poudre de creeper. Ouais, pourquoi pas. Le ranch, il est par là-bas. Donc, en fait, je vais me balader comme ça, vous voyez. Et je vais faire... Ta-da ! Et hop là. Ah oh, merde, je suis tombée. Donc, voilà, je vais m'amuser avec mes bobottes pour aller vers le ranch. Et la prochaine fois, et bah, vous aurez une vision, une petite cinématique de la zone. Que j'ai envie de build, là où j'ai envie de build, et on aura un hyperlapse de notre première baraque. Sur ce, amis Minecrafters, Minecraftiennes, on se retrouve plus tard pour une vidéo. Je ne sais pas sur quoi, mais on verra, une vidéo Minecraft. Bye bye.